est le 7 novembre là. Il fait un temps incroyable. Il y a une semaine là, avec Bill, on était dans un marais, tout était gelé avec 3 cm de glace. Et là, on est une semaine plus tard. On se croit en été. Il doit faire 20 degrés là dans la journée. Donc, je suis sur le Grand Lac. Là, c'est aussi l'ouverture au cerf aujourd'hui. Bill chasse avec quelqu'un d'autre un peu plus loin sur le même lac. Donc, je suis juste là avec Grizzly. On s'est positionné dans le sud, on s'est mis sur entre le Grand Lac et donc les eaux arrière. On avait chassé avec Bill le lendemain de l'ouverture. C'est très calme, j'entends rien sur le lac, pas d'oiseaux. Comme c'est l'ouverture du cerf, je tiens également à être assez loin des bois, parce que là, ici, c'est pas comme en France, tout le monde peut aller à la chasse au cerf sur le terrain public. Donc ici, ça va encore, on n'est pas trop loin de la ville, donc ils ont le droit uniquement de chasser au fusil, pas à la carabine. Mais ceci étant dit, je tiens pas à être en bordure d'un bois aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai pas beaucoup d'attentes aujourd'hui là. Si je pouvais sauver la bredouille, ce sera déjà bien. Parce que bon, on a eu de la migration il y a 2 semaines. Malheureusement, je pense que beaucoup de canards sont partis au sud. Ceux qui restent ont été pas mal chassés et ils savent où se mettre à l'abri. Et puis vu qu'il fait chaud et qu'en plus aujourd'hui on a du vent du sud, globalement il n'y a pas de migration. Bon, alors, contrairement à ce que je pensais, il y a quand même beaucoup de canards. Malheureusement, ils sont tous en train de se barrer du lac. Je viens d'en voir, je pense, entre 50 et 100 là, plusieurs volées, presque une dizaine de volées là, partir au sud très haut. Donc on va voir, on a encore 2 ou 3 minutes à attendre. Un canard qui vient de rentrer. C'est vraiment triste ce matin là. Ça a tiré 3-4 fois à l'heure de l'ouverture ou 2-3 minutes avant comme d'habitude. Là c'est plus rien, c'est mort. Juste de voir ce canard là qui vient de rentrer, une petite volée qui sortait encore. Ça va la belle? Bon, je viens de louper une canne colvert là. Je suis crevé aujourd'hui là. Je suis somnolé quasiment. J'ai vu quelque chose arriver sur le côté, elle est passée devant. Je me suis levé tout de suite, j'ai tiré. J'ai pas pu doubler mon fusil, encore eu un problème là. Donc je vais contacter l'armurier pour aller le faire réparer. Mais bon, j'aurais dû le faire au premier coup, elle était à 25-30 mètres, juste au-dessus. Ah, on peut en avoir 50 des occasions comme ça aujourd'hui.